Je vais vous présenter Poésie de Marceline Desbord-Valmore. C'est un recueil sorti en 2015 aux éditions Gallimard qui regroupe entre autres Poésie, sorti initialement en 1930, Les Pleurs, sorti en 1833, Pauvre Fleur, sorti en 1839, Bouquet et Prière, sorti en 1843, mais également d'autres poèmes de Marceline Desbord-Valmore. C'est une poétesse, mais également actrice de théâtre, qui est née en 1786 en France et qui est morte en 1859 après une vie de bohème et de mère célibataire. Ses poésies sont super belles, je les ai beaucoup aimées, et elle écrit super bien, il y a plein de sujets de traités dans ce livre. Il y a par exemple, comme elle a vécu à une période assez trouble de l'histoire, elle parle de Bonaparte, des ouvriers réprimés, de plein de choses, d'amour, de fleurs, de plein de sujets différents. Dans ce recueil, on trouve également une analyse du tableau en couverture qui se nomme L'âme de la rose et a été peint par John William Waterhouse. Mon super accent anglais, je sais. Ainsi que de plein de dossiers, notamment sur le romantisme, sur le lyrisme romantique. Donc ça peut être super intéressant pour réviser les épreuves ou juste pour s'instruire. Pourquoi pas. Ça fait vraiment du bien de lire une poétesse parce que la poésie c'est vraiment un milieu de la littérature qui est déjà bien réservé aux hommes. Mais la poésie c'est encore plus masculin je trouve. D'ailleurs si vous voulez trouver d'autres femmes qui ont écrit de la poésie, je vous encourage à aller lire 8 siècles de poésie féminine. Un livre de Jeannine Moulin qui est sorti en 1975 et qui regroupe des centaines de poèmes de femmes très différentes sur une très très longue période, donc 8 siècles du coup. Et c'est super intéressant, il est vraiment bien ce recueil et vous pouvez sans doute l'emprunter dans votre médiathèque. Enfin moi je sais ce que j'ai fait, donc voilà, si ça vous intéresse. Pour finir cette vidéo, je vais vous lire un petit poème. Donc il s'intitule « Les roses de Sadie ». J'ai voulu ce matin te rapporter des roses, mais j'en avais tant pris dans mes ceintures closes que les nœuds trop serrés n'ont pu les contenir. Les nœuds ont éclaté, les roses envolées dans le vent à la mer s'en sont toutes allées. Elles ont suivi l'eau pour ne plus revenir. La vague en a paru rouge et comme enflammée. Ce soir, ma robe encore en est tout embaumée. Respire-en sur moi l'odorant souvenir. C'est bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour la prochaine. Au revoir!